Xong chơi coi cho. ខ្ញុំព្រះប្រកាសតដំណើរការសកម្មភាពរបស់យើងតទៀតហើយជាកិច្ចចាប់ដើមនេះគឺសូមអញ្ជើញលោកសហប្រញ្ញាអន្តរជាតិដើម្បីឡើងធ្វើដីសន្តានចាត់ប្រកាន់សម្ដៅចង្ខេបបន្តពីសហជាក្រុមជាតិ Member councils, civil parties, people of Cambodia. I stand today with a deep sense of gratitude and the privilege of assisting you in finally bringing some justice to the thousands of victims of S21. I have no doubt that all of us here are aware of how significant this trial is and how momentous your judgment will be. As my colleague has pledged, we, the co-prosecutors, will assist you in reaching that decision to the best of our abilities. Abiding by that pledge and with your leave, I would now like to continue to address the crimes committed at S21, and specifically what is probably most associated with S21, the torture of a victim in order to extract confessions. As the accused admits himself, and as the mountain of evidence shows, torture was practiced extensively at S21. Under the accused direct orders, and sometimes by his own hand, persons detained at S21 were intentionally subjected to intense physical and mental pain and suffering in order to extract confessions, or sometimes inflicted as punishment. The evidence is compelling and undeniable. For example, KW04, a civil party, is one of only a handful of S21 survivors. He is one of the few people able to give a first-hand account of being tortured at S21. He was beaten with whips, an electrical cable, and electrocuted until he finally forced a confession. Victims were beaten with rattan sticks and whips, electrocuted, had toenails and fingernails pulled out, were suffocated with plastic bags forcibly held over their heads, and were stripped naked and had their genitals electrocuted. The S21 interrogators did not independently choose to use such harsh torture techniques, but were, as they allege, taught by the accused. As he detailed in one of his statements, the accused told interrogators to torture prisoners by either beating with a stick, electric shocks, suffocation with a plastic bag, or waterboarding, pouring water over a detainee's head after covering his face with a towel. The accused has stated that beating with a stick was used the most because the other forms of torture wasted time. Witness KW10, a former guard at S21, will testify that the accused taught these methods and that the interrogators were told to do whatever was necessary to get the responses. The evidence left behind by the accused and his subordinates at S21 confirms these accounts. As your honors are aware, the case file contains approximately 120 documents generated at S21 and annotated at the time by the accused. They span the existence of S21 from the first dated annotation and the confession of Sun on September 1, 1975, to the last, a note on the confession of Kim Sok
dated 23 December 1978. I submit that those annotations will provide you with a path to the truth on some of the most important issues of this case. For example, in this document, the prisoner's Dan Sian, the accused instructs the interrogator to beat her until she stops saying that she has been to Vietnam to have herself healed. In this example, the accused has written a letter to one of his chief interrogators, Pong, about the interrogation of Ya, the former secretary of the Northeast Zone and a full rights member of the Central Committee. The accused tells Pong that he can use hot measures against Ya. Hot measures meant torture. And that even if this causes Ya's death, it will not be contrary to Ankar's regulations. In effect, the accused is telling Pong that he can torture the victim to death. The accused has acknowledged that he wrote documents which ordered torture. He claims, however, that in most instances, he was only writing down the decisions of his superiors as they were dictated to him. We submit that this allegation is implausible and supported by the evidence and cannot be believed. I will expand on this point in a moment. But first, let's examine what happened to the victims once the accused was satisfied that his interrogators had extracted the confession he and his superiors needed. What awaited those victims was death. There is no dispute that every prisoner detained at S21, as a matter of CPK policy, was destined for execution. As one of the guards will testify, being arrested meant being killed. The accused has acknowledged that he sometimes temporarily retained prisoners with useful skills that even these prisoners would eventually have to be executed. As will be heard in the testimony of our former S21 guard, witness KW11, and as confirmed by the accused himself, from the day it detained its first victim, the policy was that no one could leave S21 alive. Much like its Holocaust predecessors, S21 kept meticulous records, including records of those it killed. Thankfully for history, but also for justice, some of these documents, but not all, have survived, and a portion of them are in the case file. The slides you are now seeing represents a few pages out of the hundreds and hundreds of pages of execution logs that were made at S21. Each of these lines represents a victim killed. At the beginning, most of the prisoners were killed and buried in and around the main S21 compound. As described by one of the guards, the victims were brought to pits dead beforehand. There, they were killed by a blow to the base of the neck using steel clubs. Their bodies would be kicked into the holes, their handcuffs taken off their lifeless hands, their bellies sliced open, and the pits covered by dirt. Witness KW10, a former S21 interrogator, will testify about a particularly chilling method of execution, the practice of draining prisoners of their blood. Victims would be strapped to a bed, hooked up to an IV bottle, and literally have their life drained out of them. That blood eventually, presumably, would be used in DK hospitals. Is it clear how many victims were killed that way? And although he claims he had no knowledge of this method, the accused does not deny that it may have taken place. Again, you will perhaps determine the truth of that assertion. In early 1977, concerned about the possibility of disease caused by the large numbers of dead bodies buried around the main compound, the accused decided that he needed a new killing and burial ground. From then on, most of the victims of S21 were killed at the location called Chung Aik.
However, even after the majority of the executions shifted to Chiang Kai, some detainees, including foreign detainees and some important cadres, were still killed in or near the main compound. Indeed, killings continued to take place at the main compound until the very last days of S21, when, before fleeing the advancing Vietnamese troops, the accused ordered the execution of the remaining prisoners inside their cells. What is today known as Chiang Kai actually refers to an area approximately 7 kilometers south of Phnom Penh, located in the vicinity of a village of the same name. Prior to 1977, that area had been used as a Chinese cemetery, and to this day, some of those graves persist. However, starting in early 1977, it became the main killing field for the victims of S21. Over the next 2 years, by the thousands, prisoners from S21 would be taken from their cells, blindfolded and handcuffed, and pushed into rolling trucks. Frequently, and usually at night, this transport would then take their victims to Chiang Kai and to their deaths. As Gardner testifies, upon arrival, the emaciated, bound, and blindfolded prisoners would be dragged out of the trucks and held in a wooden house built on the site. Former Chiang Kai guard and executioner, with Mosquito number 24, will testify that from that house, in the dead of night, prisoners, one by one, were led by kerosene lamp to the pits, ready to sit or kneel at the edge, struck behind their necks with iron pipes, and dropped into the pits. Their handcuffs were taken off, and if they were not dead yet, the throats were slit to finish them off. In examinations carried out in the 1980s at Chiang Kai, thousands of remains were unearthed, some of which are still there to this day, held in a memorial at the location. Evidence of those mass graves in this aerial photograph of Chiang Kai shows the mass graves persisting today, lined up one next to another. This picture of a tree with a sign that says it is the place where children were killed. It stands today at Chiang Kai. As the record, and more tragically the pictures of S21 show, a number of victims at S21 were children, even infants, and they too suffered the same fate as their parents. The investigation did not conclusively identify the manner of death of children. Witnesses have confirmed that children were killed, when indeed, even testifying to an instance where a child was deliberately thrown from the upper floor of a building near S21. But none of those guards, surprisingly for such hardened individuals, gave any details. The accused, while not denying the killing of children, and indeed the possible authenticity of the sign on this tree, did not offer more information. I respectfully submit that as part of your judgment, it now rests upon you to honor the memories of these children by asking the right questions and establishing how these innocent victims were killed. Faced with the overwhelming evidence of killings on such a massive scale and carried out over so long and in such a systematic manner, we will never indeed know the true number of victims at S21 killed under the authority of the accused. Whereas, as it has been discussed, the accused is also charged for crimes committed at S24, better known perhaps as Prisol. S24 was a re-education camp that was subordinate to S21 and reported to the accused. It was based around a former colonial prison named Prisol and covered a wide area, including nearby worksites and villages.
It was initially run by a cadre named Hun Shui. He was the third highest ranking cadre within the S11 hierarchy, only behind the accused and Hor. When Hun Shui himself was arrested and sent to S21 in late 1978, Fao, who had been in charge of the guard section at S21, took his place. S24 was used to temper cadres, workers, and combatants who had made mistakes or were suspected of being enemies. Prisoners were divided into three levels, with those in level 3 suffering the worst conditions. Tempering consisted of unlawful detention, forced labor, inadequate food and medical care, political indoctrination, and brutal treatment. The forced labor included digging ditches, farming rice, animal rearing, and construction work, much of it done by hand without proper tools. Work would often begin before dawn and last after dusk. Those who did not work hard enough were whipped or beaten. Thousands of people were detained at various work sites within S24 at any one time, and everyone was subjected to forced labor. Prisoners who were deemed incapable of re-education were killed. Trucks would come during the night, take them to S21 or to Chung Aik, never to return. The combined S21 list indicates that more than 500 people, including prisoners undergoing tempering and S24 staff members, were sent from S24 to be interrogated and killed at S21. As this document demonstrates, those killed also included children. The constant disappearances created an atmosphere of terror that pervaded life at S24. In addition to being in command of S24 by virtue of his position as chairman of S21, the accused admits that he visited S24 occasionally, although he denies having seen the conditions. Moreover, the accused had the authority to send S21 members, staff members, to S24 to be tempered if their relatives were accused of being enemies, an authority he exercised and admits to. Mr. President, Your Honours, I respectfully submit that you will find in the case file sufficient evidence to be convinced beyond a reasonable doubt that the crimes charged in the indictment were indeed committed. In fact, the accused himself, during the investigation, has, for the most part, recognized that those crimes occurred. The accused has also stated during the investigation and through his counsel's statements that he recognizes his responsibility for these crimes. However, to what extent is that admission of responsibility, as framed and argued by the accused and his counsel, truly supported by the evidence? I submit that this is perhaps the most contentious issue facing you and to be resolved by your judgment. The most contentious, but not the most difficult. The accused has attempted to describe his authority as limited and in name only. His participation in the crimes perfunctory, essentially renewing orders, and his commitment to the criminal policies of the CPK and of S21, reluctant and made under duress. We submit, however, that the evidence examined as a whole will establish beyond any doubt that the accused had independent authority within S21, that he used that authority morally and actively in the commission of the crimes, and that he was committed until the very end to the goals and success of S21. Which we leave, I will now go over some of that evidence, starting with the authority structure at S21. This chart
depicts the organizational structure of S21 from March 1976, when the accused became chairman, until the arrest of Bruce Ray in late 1978. This chart is based on the evidence contained in the case file and described further in paragraph 59-78 of our final submission. There are two important points that I wish to call to the attention of the chamber. First, the accused reported directly to the Standing Committee on matters that related to the detention, interrogation, and execution of S21 prisoners. Originally, he reported to Standing Committee member Son Sen that in August 1977 began to report to Son Chea, another Standing Committee member. By his own admission, he continued to do so until the end of S21. Second, there were three main sections within S21. The defense section, the interrogation section, and S24. Each of these sections reported directly to the accused. And as we've seen, subordinates of the accused in each of these sections committed the crimes outlined. This chart, with the changes highlighted in yellow, shows just how little things changed after the arrest of S24 head Bruce Ray. Three people changed positions, but the overall structure remained the same. The important thing to know is that everyone still reported to the accused. As I said, these charts are based mainly on the testimony of former S21 staff and, perhaps unsurprisingly, are different from the organizational charts that the accused has submitted into evidence during the investigation. For example, in this chart, which he prepared, the accused is apparently only responsible for S24, annual political education, and receiving confessions from the interrogation section. All of the responsibilities and blame is placed on the subordinate, Hoare, who, as the accused knows full well, is long dead and cannot answer. During the investigation, the accused did not deny that what he was describing amounted to little more than a chairman in theory. And indeed, he went as far as stating that during his tenure, he never grasped anything concretely. According to him, decisions about who to kill were allegedly made by Son Sen, Nguyen Chea, and just passed through the accused's office, while the day-to-day decisions about the operation of S21 were completely made by his subordinates. The accused claims to have done little more than reading confessions all day in his office while crimes were being committed around him. We submit that this contention of the accused is unsupported by the evidence, and indeed, during the investigation, when confronted to by the evidence, the accused has had to acknowledge his true authority. However, as we submit, that acknowledgement still falls short of the truth. Let me draw your attention to some of the evidence that may help establish the truth. Then, as is often the case, some of our best evidence comes from the accused's accomplices. A trusted advisor to the accused at M13 and S21, witness KWA, who testified that the accused managed the entire security unit, knew everything at S21, and made all the decisions at S21. Interrogators will testify that the accused taught them the theory and practice of torture techniques, including directing them on what questions should be asked and what torture techniques to use in particular situations. Witnesses will testify that the accused ordered the torture of prisoners and that the results of interrogations were immediately sent to the accused for his review. The accused would either order further interrogation and torture if unsatisfied, or order the detainee's death if further interrogation and torture was unnecessary. The contention
that subordinates were running S21 and perpetrating crimes on their own volition is contrary to the evidence and indeed logic. Consider this. He is a person perhaps better aware than anyone else in the country at the time that the slightest mistake or dereliction of duty, real or perceived, can cost you your life and that of those of all associated with you. That same person is personally tasked by the regime with safeguarding it from its most threatening enemies and has been doing so for years. That same person is now asking you to believe that he relinquished that responsibility and literally placed his life and that of his family into the hands of his subordinates. I submit that this is simply not believable. Neither is it even plausible that for every decision, every order, behind every damning annotation, there is the accused on the phone or in conversation with his superiors, dutifully taking down individual instructions in every case. Literally thousands of detainees to torture, interrogate, and kill over almost 3 years. And for every decision, the accused would like us to believe that two of the most important men in the regime, Son Sen, the Minister of Defense, and Yuan Chia, Deputy Chairman of the CPK, spent endless hours micromanaging S21. And that they did this while trying to establish control of the country, to fundamentally alter all its structures, and fight a war with a powerful and dreaded enemy. Meaning, of course, be the judge of what is true in this case. But I submit that such contention is simply not believable. Although he did report to his superiors and they did make decisions, the accused independent authority within S21 cannot be convincingly denied. An analysis of the combined prisoners list reveals that between 1975 and 1979, at least 191 S21 staff members were executed. Are we to believe that for every staff member that fell asleep on duty, a capital offense at S21, the accused needed the highest authority in the land to authorize their arrest and execution? Clearly, despite his denials, the accused had authority within S21 and was not adverse to using it. And indeed, what else could he have done? Tasked as he was with the responsibility of operating such a vital institution as S21. Contrary to the defense assertion that there was no particular ranking of Democratic Kampuchea's security centers, the evidence clearly shows that none was more important for the regime than S21. As one witness will testify, Sun Sen himself acknowledged this, once remarking at a meeting which the accused attended, that S21 was the most important soul of the nation. There is no evidence on the case file, nor did the defense direct the co-investigators judges to any, that another security center received as much attention from the standing committee, played a greater role in smashing the regime's highest ranking cadres, or had a chairman with access to the leadership of the country like that of the accused. By virtue of his post, the accused had direct access to the most senior leaders in the DK regime, a privilege shared by few individuals in the country. The accused, by his own admission, was the only S21 official who had the right to contact and report to the CPK Standing Committee through at first Son Sen and then Nguyen Chia. How can it be convincingly argued
But he was not in charge of the most important security center in the Democratic Kampuchea. I submit that it cannot. And while accused to look closely to his operation at S21, there is also evidence in the case file that he played a key role in some national security operations. As witness KW25, a courier for the Ministry of Foreign Affairs will testify, the accused, documents in hand, attended the offices of the ministry where other leaders were meeting. As this court will hear, to the testimony of an expert historian of the DK era, the accused was obsessed with analyzing confessions in order to extract information from them for the protection of the regime and to provide valuable information to DK senior leaders, and did so for years. That when a grenade attack in the heart of Phnom Penh, while the distribution of leaflets in town threatened the anchors of authority, the leaders called on the accused to help track down the culprits. With that position and that level of trust, the accused also gained a unique insight into the criminal policies of the CPK and of the attack carried out on the population of Cambodia. By supervising or sometimes conducting the interrogation and detailed confessions of thousands of victims, from low-level cadres to members of the Central Committee, and by interacting with the highest authorities in the land, the accused knew perhaps better than anyone else in the country what was befalling the population of Cambodia. Even if indeed it was the general DK policy that cadres only knew of their own duties and work, there can be no doubt that the accused was fully aware that the crimes committed at S21, his crimes, were part of a widespread and systematic attack on the civilian population, and that he exercised his authority in furtherance of that attack. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, en qualité de plus haute autorité du plus important centre de sécurité du Kampuchea démocratique, comment l'accusé a-t-il fait usage de cette autorité? Comment a-t-il participé aux crimes commis? Cette question fait également l'objet de débats entre les partis. Avec votre permission, je vais brièvement dresser le tableau de ce qui me paraît être nos positions respectives et vais me référer à certains éléments de preuve qui pourraient être utiles à votre appréciation de cette question. La position de l'accusé telle qu'elle ressort de ces interviews, et que pour l'essentiel, il n'était qu'un simple facilitateur dans la commission des crimes. Son rôle, selon lui, était principalement limité à la mise en œuvre des politiques et des décisions d'Ankar. Ankar décidait qui serait arrêté. Quant aux interrogatoires et à la torture des prisonniers, ils étaient de la responsabilité de ses subordonnés. Et une fois encore convaincu que la victime avait prononcé ses dernières paroles utiles, l'accusé ne faisait que transmettre la décision d'exécuter la victime. Selon lui, la responsabilité principale était de faire rapport à ses supérieurs et de répercuter leurs ordres. Pour l'essentiel, il s'agit d'une assez bonne description de la responsabilité pénale de quelqu'un qui aide et encourage. Nous soutenons cependant que les preuves factuelles justifient sans nul doute une autre conclusion. En fait, nous soutenons qu'il existe suffisamment d'éléments de preuve pour conclure que l'accusé requérait, planifiait, supervisait les arrestations et même qu'il y participait, qu'il a conçu et supervisé les conditions inhumaines de détention à S21, qu'il a ordonné et à l'occasion participé à la torture des détenus et a ordonné l'exécution des victimes. Les témoins attesteront que l'accusé donnait les ordres de procéder aux arrestations.
et prévoyait la logistique nécessaire aux arrestations des cibles importantes. Ces mêmes témoins relateront comment, à l'occasion, il leur fut ordonné de se rendre à l'intérieur du pays pour procéder à des arrestations. L'accusé, une fois confronté aux preuves, a lui-même admis, à au moins une occasion, avoir envoyé un subalterne dans une unité militaire afin de préparer l'arrestation massive du personnel de cette unité. Finalement, à quelques occasions, l'accusé a personnellement arrêté des personnes cibles. Alors que les confessions obtenues sous la torture à S21 s'accumulaient et que d'autres personnes étaient incriminées, l'accusé et ses supérieurs destinaient plus de cibles à la persécution et à la mort. Bien que les autorisations d'arrestation aient pu émaner des échelons supérieurs du cadet, ces décisions étaient basées sur les propositions d'arrestation faites par l'accusé. Les preuves à cet égard sont nombreuses. L'accusé savait que ceux dont il proposait les noms seraient arrêtés dans la plupart des cas. De plus, sur la base de l'expérience qu'il avait acquise à M13, l'accusé participa à la mise en place et à la persistance de conditions de vie inhumaines à S21. Un ancien garde de S21, le témoin KW11, attestera de la manière dont l'accusé respectait les cellules de détention. De ses propres yeux, l'accusé a dû voir que les prisonniers étaient émaciés, déshydratés, blessés et entravés, qu'ils vivaient dans les plus terribles conditions. Il n'y a pas de preuve qu'il ait fait quoi que ce soit pour soulager leur souffrance. Les témoins attesteront que l'accusé a conçu et surveillait l'intégralité du mécanisme mis en place à S21 pour interroger les prisonniers et qu'il interrogeait personnellement les détenus. Comme de nombreux anciens interrogateurs de S21 l'attesteront dans cette salle d'audience, l'accusé ordonna verbalement ou par écrit l'usage de la torture lors des interrogatoires, et il a donné plusieurs fois des instructions aux interrogateurs sur la manière dont la torture devait être utilisée. L'accusé a admis qu'il avait personnellement interrogé un petit nombre de cadres de haut niveau. Des documents et des témoins ont confirmé cette participation aux interrogatoires. L'accusé a admis, parfois après avoir été confronté aux preuves figurant au dossier, qu'il avait effectivement participé aux interrogatoires, mais il a nié avoir infligé des tortures aux prisonniers, sauf peut-être quelques gifles occasionnelles. Les témoins déclarent cependant que l'accusé a frappé les prisonniers à coups de pied, les a battus à l'aide de bâtons en ratant, et l'a électrocuté jusqu'à ce qu'il tombe inconscient. En tant qu'ancien cadre de S21, le témoin KW16 attestera avoir été témoin d'un événement typique où l'accusé, ayant désapprouvé le travail d'un interrogateur, le bâtit en conséquence. Cet interrogateur fut arrêté et exécuté par la suite à S21. Il s'agit d'un exemple suffisamment représentatif. Finalement, les témoins attesteront que c'est l'accusé qui, par ses annotations sur les listes de prisonniers, désignait qui devait être écrasé. Muni de cette autorisation, les gardes rassemblaient les prisonniers condamnés, les chargeaient dans des camions et vérifiaient leurs identités au portail de S21 avant de les expédier vers leur mort à Chiang Mai. Ceci dit, peut-être que tous ces témoins sont dans l'erreur, de même que certains d'entre eux, et qu'en fait, l'accusé n'était qu'un dirigeant purement nominal. Nous en serons juges. Cependant, comme nous l'avons vu, les écrits de l'accusé ont survécu, et ils vous viendront sans doute en aide pour arriver à votre jugement. Ici, vous voyez par exemple le rapport établissant que l'accusé fut consulté lors de l'incident de l'explosion de la grenade. En voici un autre. Il s'agit
de la confession de Bounarak. L'accusé y a consigné une longue analyse, à la fin de laquelle il propose l'arrestation de Cham Sam-un. Au point 2 et 3 de ses conclusions, il recommande aussi qu'il soit procédé à des enquêtes sur trois autres individus et demande si le bureau de sécurité numéro 15 peut identifier d'autres personnes qui auraient un lien avec Cham Sam-un. Ceci est la confession de Hun Sun, que l'accusé a noté le 1er septembre 1975, aux alentours de cette date, alors qu'il était encore directeur adjoint de S21. L'accusé a admis y avoir écrit, n'a pas encore avoué à torturer. Ce document atteste que l'accusé propose à un quart que 115 personnes soient écrasées. Ce que un quart a accepté. L'accusé a admis avoir écrit sur ce document, propose d'en interroger 4 et de tuer le reste. Et sur ce document, l'accusé admet avoir écrit, on copain. Tous. Et finalement, voici la confession de Kim Sok, à noter le 23 décembre 1978, ce qui en fait l'un des documents les plus tardifs de S21 au dossier. L'accusé y a écrit une note dans laquelle il discute de la personne dénommée Trump et il demande, s'il vous plaît, permettez-moi de l'arrêter. À 15 jours de l'effondrement du régime, voici l'accusé qui requiert avec zèle encore une autre victime. En toute honnêteté, il faut reconnaître que l'accusé a bel et bien fourni des explications, parfois détaillées, quant à ses annotations. Par exemple, selon lui, lorsqu'il écrit « On compagne, tuez-le tous », c'est un fait pour permettre à Peng de pouvoir se vanter de son pouvoir auprès d'un subordonné. Pour d'autres, comme nous l'avons dit, l'accusé prétend n'avoir fait que consigner par écrit les décisions prises par d'autres. Ce sera bien entendu à vous d'évaluer la valeur de ces explications au regard des preuves qui figurent au dossier. Nous sommes convaincus qu'une fois que vous aurez examiné l'ensemble des preuves, dans ce compris les déclarations des témoins, les aveux de l'accusé, les circonstances du fonctionnement de S21 et les documents, vous conclurez que l'accusé contrôlait sciemment et intentionnellement l'entièreté de la machine criminelle de S21, qu'il avait le pouvoir d'arrêter, de détenir, d'interroger, de torturer et de tuer, et qu'il a effectivement usé de ce pouvoir tout au long de l'exercice de ses fonctions de directeur de S21. Si vous êtes convaincu, au-delà de doutes raisonnables des faits que nous avons résumés, vous devrez alors établir le type de responsabilité pénale qui correspond à ces faits. Comme la lecture de l'ordonnance de clôture l'a précisé, l'ancien directeur de S21 est accusé d'avoir commis à S21 des crimes sous de multiples chefs de responsabilité criminelle individuelle et plus précisément d'avoir commis, ordonné, instigé, planifié, aider ou encourager et de n'avoir pas agi pour empêcher ou punir les crimes commis à S21. L'ordonnance de clôture a conclu que ces chefs de responsabilité étaient établis parce que les preuves montrent l'accusé qui avait le pouvoir d'obtenir n'importe quel résultat criminel souhaité. Un accusé qui contribuait de manière significative à quasiment chaque niveau de la machine criminelle de S21. Cependant, nous sommes convaincus que ces chefs de responsabilité ne représentent qu'une partie de la responsabilité criminelle de l'accusé et ne révèlent qu'une partie des opérations criminelles de S21. Comme nous l'avons esquissé dès le début de cette procédure, nous enjoignons à examiner attentivement et à appliquer
la notion d'entreprise criminelle conjointe ou OCC au fait de la cause. Il est inapproprié à ce stade d'entrer dans les détails de notre argumentaire, mais il nous suffirait de dire que l'OCC, dans ces trois catégories, mais plus particulièrement la première et la deuxième, s'applique parfaitement au fait de la cause et permettrait de prendre en compte la responsabilité de l'accusé de manière beaucoup plus complète. Spécifiquement, si vous deviez juger qu'il a agi comme co-auteur avec ses subordonnés d'actes criminels commis pour obtenir un résultat convenu à l'avance, alors il devrait nécessairement être considéré comme avoir commis ces crimes comme s'il les avait lui-même commis directement. Si par ailleurs, vous devriez conclure que par ses actions, il a contribué de manière significative à la commission des crimes commis par ses co-auteurs, alors il ne devrait pas seulement être considéré comme ayant aidé et encouragé, mais devrait alors être déclaré coupable d'avoir commis et condamné en conséquence. C'est pour cette raison que la ECCC a été appliquée systématiquement par les tribunaux du genre des crimes de masse. Cette notion permet de tenir pour responsable une personne qui a eu l'intention que les crimes soient commis et qui a contribué à leur commission, même s'il ne s'est jamais lui-même sali les mains. Au vu des allégations de la défense concernant le rôle de l'accusé dans cette affaire, et même si les crimes ne sont généralement pas contestés, vous devrez considérer l'application de l'entreprise criminelle conjointe afin de refléter complètement ces crimes ainsi que la responsabilité de l'accusé. Et pourquoi devons-nous passer tant de temps à examiner les faits s'ils sont reconnus? Cette cour a même été enjointe de ne pas perdre de temps avec les faits, puisqu'ils sont admis. La réponse est techniquement aisée. Dans ce système de droit, l'accusé ne peut pas plaider coupable. Même admis, les faits doivent être jugés. Il devrait prendre en compte, parmi ces faits, la collaboration de l'accusé en qualité de membre des CETC, nous devons de reconnaître cette coopération. Depuis le début, l'accusé a renoncé à son droit au silence et a fait 21 déclarations au co-juge d'instruction dans le cadre de ce dossier. Il a donné de nombreux documents écrits et des explications au sujet de ces documents. La coopération de l'accusé a clairement faciliter la corroboration des preuves figurant déjà au dossier, ainsi que la découverte ou la clarification de certains autres éléments de preuve qui ont sans aucun doute facilité le déroulement de l'instruction. Il a notamment aidé à la compréhension des règles et instructions décrétées par le cadet, facilité l'authentification de certains documents et écritures, participé aux reconstructions et confrontations, répondu à certaines des questions des parties civiles et donné son interprétation de certains des documents et du vocabulaire clair rouge. Donc, bien que nous affirmons que cette coopération a été limitée en termes de reconnaissance de sa véritable autorité et responsabilité dans les crimes commis, son témoignage a, dans les faits, favorisé la manifestation de la vérité. L'accusé dit que sa coopération résulte d'un sentiment de contrition. Il admet l'immoralité de ses actions passées et a, en effet, demandé pardon à ses victimes, tant directement lors de reconstitution que par l'entremise de ses avocats. Je ne doute pas qu'il le fera à nouveau en votre présence à la première occasion. Mais son sentiment de contrition est-il authentique? Contrairement à l'opinion des experts psychiatres retenus par le co-juge d'instruction, je fais valoir que c'est bien et bien la bonne question à poser.
Il n'a jamais demandé pardon à ses victimes lorsqu'il supervisait leur torture et leur exécution. Doit-on maintenant croire ses amis? Si l'accusé devait bénéficier au moment de la détermination de la peine de son remords apparent en tant que circonstance atténuante, encore faut-il que ces remords soient suffisamment établis à vos yeux. Comme c'est souvent le cas, le passé peut aider à éclairer le présent. Pour déterminer jusqu'où le cheminement de l'accusé a dû le mener, vous devez regarder d'où il est parti. Et cela commence en 1964, lorsque l'accusé rejoignit le PCK. Il fut recruté au sein du parti par son professeur et mentor, Choi Kim Ho. 15 ans plus tard, l'accusé supervisait la torture et l'exécution de Choi à S21. Ce simple fait apparaît très révélateur. Et puis sa réponse à l'appel lancé par le parti et son passage dans la clandestinité en 1966 jusqu'en 1992, lorsqu'il commença à se distancier des Khmer Rouges, il n'y a aucun élément de preuve qui puisse permettre de tirer d'autres conclusions que celles que l'accusé resta durant ces 28 années complètement dévoué à la cause des Khmer Rouges et au succès de leur politique. Le PCK lui-même reconnut ce dévouement très tôt et l'accusé devait rapidement le cadre de sécurité principal du secteur 15 de la zone spéciale. À partir de là, il mit en place et géra le centre de sécurité de la zone spéciale, connu sous le nom de M13, qui opéra selon la même ligne criminelle que S21, d'octobre 71 à avril 75. Évidemment, l'accusé n'a pas à répondre de ses crimes commis à M13. Non pas parce que ceux-ci sont tous situés en dehors de la juridiction temporelle de cette cour, mais bien plutôt parce que les crimes qui ont été commis n'ont pas fait l'objet de l'instruction. Cependant, vous-même, madame, monsieur le juge, l'avez confirmé, M13 reste pertinent pour ce dossier. Sous la direction de Sunset, Evangret, un autre mentor qui l'écrasa éventuellement plus tard à S21, l'accusé développa et raffina ses talents de chef de prison et de tortionnaire à M13. L'accusé commandait et gérait tous les aspects de M13, en ce compris la détention des prisonniers dans des conditions inhumaines, leur torture et leurs exécutions. Les témoins attesteront que des soi-disant ennemis provenant de partout à l'intérieur de la zone spéciale étaient amenés à M13. Les prisonniers y étaient enchaînés ensemble et détenus dans des huttes ou dans de larges fosses sous garde armée et ne recevaient pas assez d'eau ni de nourriture. Les prisonniers étaient systématiquement torturés, soit par l'accusé lui-même, soit par ses subordonnés. Ils étaient battus à coups de bâton de bambou, brûlés à l'aide de chiffons en feu préalablement trempés dans du kérosène, leurs ongles arrachés à l'aide de pinces et leurs doigts percés avec des aiguilles. D'anciens gardes de M13 viendront témoigner du fait que les prisonniers étaient finalement tués de diverses manières, soit en les frappant à l'arrière de la tête, soit en les abattant de coups de feu, et que l'accusé lui-même a exécuté des prisonniers. Les témoins, les dernières victimes tuées à M13 ont été à la fin du mois d'avril 1975, parce qu'après la chute de Phnom Penh, l'accusé a été appelé à prendre son nouveau poste. Le témoin KW33 attestera que plusieurs centaines de prisonniers étaient détenus à tout moment à M13 et que durant la période où l'accusé commandait, plusieurs milliers de prisonniers y furent détenus et exécutés. M13 fut le terrain d'entraînement de l'accusé. C'est là que l'accusé créa les équipes de garde, d'interrogateurs, de bureaux, un modèle de structure qu'il reproduit à S21. C'est là aussi que l'accusé a établi son système méthodique d'archives écrites
des entrées et sorties de prisonniers et qu'il inaugurera son système de rapport de confession de prisonniers à ses supérieurs pour ensuite recevoir leurs instructions. De son propre aveu, c'est à M13 que l'accusé développa les techniques d'interrogation qui seront utilisées plus tard à S21. Son travail à M13 donna aussi à l'accusé l'occasion de former des interrogateurs et autres subordonnés qui se retrouveront plus tard placés sous son commandement. Ce ne sont pas là les actes d'un homme qui aurait agi sous la contrainte. Ce sont les choix posé par un révolutionnaire dévoué qui croyait et soutenait le PCK et qui participait activement à la mise en œuvre de ces politiques criminelles. Ce qui se passa après la chute du régime du Kadir en 1979 est également révélateur. L'accusé prétend qu'il était devenu à cette période profondément malheureux vis-à-vis de son travail passé à S21 et des politiques du PCK. Cependant, il faut relever que lorsque le régime s'est effondré, il n'a pas fui les clairs rouges. Il n'a pas saisi la chance offerte par le chaos de l'après-guerre pour rompre avec les clairs rouges, et encore moins pour se faire connaître et reconnaître ses actes. Au contraire, il fuit une fois de plus dans la jungle avec ce qui reste des troupes clairs rouges. Là, il resta volontairement membre du PCK pour 13 ans de plus. Le dirigeant Khmer Rouge avait tellement confiance en lui pendant cette période qu'il a même envoyé enseigner le Khmer en Chine pendant 2 ans et qu'il lui a confié diverses fonctions officielles. Ce n'est qu'en 1992 ou 93 que l'accusé commença finalement à abandonner le parti et apparemment à cesser de soutenir ses politiques. Mesdames, Messieurs les juges, on est plaigné que même les cadres les plus ardents ont pu vivre dans la crainte quasi constante de leur propre vie sous le régime des Khmer Rouges. Cependant, le droit, sauf en cas bien particulier, n'admet pas comme défense de dire que l'on a commis de tels crimes par peur d'être soi-même une victime. Ce serait trop facile. Il peut être tenu compte de ce fait s'il est prouvé lors de l'établissement du niveau de la peine. Et comme les preuves dans ce cas le démontrent, l'accusé a délibérément choisi un chemin qui le mena à la commission de crimes dont il est accusé et qu'il y a participé volontairement et en toute connaissance de cause. Plutôt qu'une victime de la peur, il était celui qui créait la peur, qui a hanté les derniers jours de ses victimes. Donc, si nous devons, à la fin de ce procès, établir la vérité sur ce qui s'est passé à S21, alors je soutiens respectueusement que vous devrez confronter l'accusé au fait de la cause et à la seule conclusion logique que l'on puisse en tirer. Plutôt que l'image de l'exécutant agissant contre son gré, qu'il a tenté de donner pendant l'instruction, quasiment inconscient des horreurs perpétrées autour de lui par ses subordonnés, pendant qu'il s'affairait dans son bureau, tout occupé à prendre des notes, il était, en réalité, celui qui, jouissant de la confiance de ses supérieurs, mis en œuvre de manière dévouée et sans merci la persécution par le PCK du peuple cambodgien à S21. S'il l'admet, alors, et seulement alors, l'accusé pourra réellement prétendre avoir reconnu ses crimes et bénéficier des conséquences de cet aveu. Pour conclure, Monsieur le Président, Madame la Juge, Monsieur les juges, nous allons très prochainement commencer à entendre les preuves qui existent contre l'accusé. Ces preuves que nous venons de résumer brièvement pour vous aujourd'hui.
Nous avons abordé un grand nombre de sujets et nous l'avons fait de manière générale. Nous avons parlé de la montée du PCK, de l'attaque généralisée et systématique contre la population du Cambodge et du conflit armé avec le Vietnam. Nous avons parlé des crimes horribles commis à S21 et de la responsabilité factuelle et légale de l'accusé. Toutes ces questions sont des éléments fondamentaux de ce procès et méritent d'être examinées soigneusement, mais aussi sereinement. Et je suis confiant que vous le ferez. Mais je soutiens avec respect que pour que justice soit faite, la vérité doit être établie. Et cette vérité ne peut être révélée qu'à travers les histoires personnelles de chacune des victimes de l'accusé, des personnes qui se cachent derrière les statistiques, les slogans, les catégorisations. Ces personnes avaient des noms, des familles, des souvenirs, des espoirs. Elles méritent toutes d'être entendues devant cette cour, que leurs histoires soient dites et restent gravées dans notre mémoire. Et peut-être, alors que ce procès se déroulera et racontera leurs histoires, leurs tourments, leurs morts, peut-être que l'accusé, si vraiment il n'est plus le même homme aujourd'hui, sera enfin troublé par les souffrances qui encore hier le laissait indifférent. Mais malgré ce trouble, quand il devra écouter ses histoires puisque la justice l'exige. Dès avant même d'envisager la démarche proposée par la défense qui consiste à essayer de comprendre le cheminement psychologique qui peut amener un être humain à renoncer à son humanité, pour devenir un tel bourreau, vous devrez d'abord reconnaître l'humanité de ses victimes. Et comment rendre justice à leur mémoire? En remplissant la mission qui vous est assignée, appliquez le droit au fait. Rien de plus, rien de moins. Rendre un jugement équitable. Le droit, vous le connaissez, il est devant vous. Les faits, ce sont les victimes. Leurs histoires nous offrent le privilège de nous redonner un peu de l'humanité que nous perdons tous devant de telles erreurs. En acceptant que soient relatées leurs histoires avec la dignité qui leur a été refusée dans leur dernier moment, vous leur redonnerez ainsi leur voix. Si on t'a étranglé par l'impunité, vous répondrez enfin à leurs aspirations, à la justice, si on t'a bafoué. Et ce faisant, vous répondrez aussi à leur. Lục Đình Nhã, J'ai besoin de 15 secondes, Monsieur le Président. En examinant les histoires des victimes, ce faisant, vous répondrez aussi par l'affirmatif à la question posée par le professeur Yosef Yerushalmi, qui au sujet de la Shoah se demandait si l'antonyme d'oubli n'est pas souvenir, mais bien plutôt justice. C'est tout, respectueusement soumis. ខ្ញុំសូមដាក់ជូនសេចក្តីសន្និដ្ឋានទាំងអស់ដោយលោកស្រីចៅក្រមបានជ្រាបនៅទីនេះឥឡូវនេះដល់ពេលត្រូវពិសារហាត់ថ្ងៃត្រង់ហើយហើយអង្គរះឡើងដំបូងសូមប្រកាសសម្រាប់ដើម្បីពិសារហាត់ថ្ងៃត្រង់រហូតដល់ម៉ោង 11 ម៉ោង 1កន្លះរសៀលហើយអង្គរះសូមជម្រាបអ្នកចូលរួមនិងសាធារណជនទាំងអស់
chôn một căn thì cái này đình luôn để bàn môn mong muối nâng sam sơn để ti để mấy bàn to sạm nà cà một quả ỏi anh rẽ một tí không khen nom chun chập chao từ căn vật tụ bằng trăm hơi nom một quả ỏi từ lọc một vĩnh nơi ở bàn môn mong muối nâng sam sơn để ti.